Toute la population a souffert dans ce conflit. Musulmans, protestants, catholiques. Alors, cette situation politique a créé qu'il y ait une espèce de fossé entre les musulmans et non musulmans. Cela a créé un peu de désordre partout. Il y a eu même des écoulements de sang. Et donc nous aurons besoin encore de toute l'aide pour venir essayer de dépasser cette situation et aller de l'avant, avoir un horizon meilleur. Ils sont constitués de jeunes chrétiens et de musulmans aussi. On avait surtout fixé notre objectif sur ceux qui sont sortis des groupes armés. On voulait, à travers cette formation, les occuper aussi, qu'ils puissent s'insérer dans la société. Oui, j'ai l'occasion maintenant de dire merci à l'Église en détresse pour tout ce qu'il a fait pour nous ici à Bamassou et en Centrafrique. Malheureusement, Centrafrique est encore le deuxième pays plus pauvre du monde. Et donc, nous avons encore besoin de votre aide, toute l'aide.